L'étoile de Rhodésie est un des plus célèbres joyaux de la Terre. Les premiers doigts qui le touchèrent étaient ceux d'un pauvre mineur noir, et il aurait mieux valu qu'il ne fût jamais trouvé, car ceux qui le possédèrent ensuite connurent tous une mort violente. Notre histoire commence à Londres, dans la boutique de Mock et Fils, fabricant de cercueils. Eh bien, c'est ce que j'appelle un beau cercueil. Vous m'assurez de le faire livrer en temps voulu? Bien sûr. C'est que le train pour l'Écosse part de la gare de Stone à 7h30 ce soir. Ça laisse peu de temps pour régler la mise en pierre. Votre mère, n'est-ce pas? Oui. Vous l'emmenez en Écosse? Oui, à Édimbourg. C'est là qu'elle est venue au monde. Oh. Merci bien. Que c'est ennuyeux. La transporter par train. C'est si long. Au travail. Allons, le cadavre attend son cercueil. Pardon. Monsieur Holmes. Bonjour. Je craignais que vous n'arriviez pas à temps, monsieur. J'étudiais les visages de nos compagnons de voyage. Passionnant, croyez-moi. Et le plus souvent aussi très instructif. Lady Margaret est déjà dans le train, je suppose. Oui, mère vous attend. J'ai réservé un compartiment pour vous et le docteur Watson. Justement, il est dans ce wagon-ci, juste avant le fourgon à bagages. Sans couchette? Oui, il n'en restait plus une seule. Mère s'inquiète certainement moins d'un lit que d'arriver à Édimbourg. Ce qui fait qu'il n'a pas été difficile de la persuader de voyager sans couchette. C'est exact. Ils ont ouvert ce wagon pour prendre un surplus de voyageurs. Oui, je l'ai remarqué. Vous savez, c'est vraiment chic de votre part d'être venu, compte tenu du peu de détails que je vous ai donnés. Oh, mais cher monsieur Casters, les détails auraient été inutiles. J'étais au courant. Vous saviez que mère avait tenu à apporter l'étoile de Rhodésie avec elle à Londres? Et qu'on avait tenté de lui voler pendant son séjour. C'est Scotland Yard qui vous l'a dit. Oh non, pas du tout, monsieur Casters. Mais le fait que votre mère possède ce fameux diamant n'est pas un secret. Elle est venue à Londres assister à la réception au palais de Buckingham et, bien entendu, y porta l'étoile de Rhodésie. Vous m'engagez pour vous raccompagner à Édimbourg. J'en conclus donc tout bêtement qu'on a voulu lui voler l'étoile de Rhodésie pendant que vous étiez à Londres. Ça semble si simple quand vous l'expliquez, monsieur. Merci. Mais j'aimerais rester ici à guetter l'arrivée du docteur Watson. Je suis inquiet de son retard. Mère et moi, nous vous attendrons. Je vais prendre votre valise, voulez-vous? Je vous remercie beaucoup. À tout à l'heure. Nous sommes dans le compartiment E. Bien. Votre billet. C'est votre wagon. Merci. Mais en voilà une surprise. Inspecteur Lestrade. Tiens, monsieur Holmes. Où allez-vous, inspecteur? À la pêche, hein? Je pars en vacances. Vous avez de la chance. À la truite. Hein? Ah, oui, oui, oui. Ces lignes sont trop grandes pour la truite. Ce serait mieux pour le saumon. Bah, à la vérité, je pars surtout pour me reposer. Vous partez en mission pour Scotland Yard, à la vérité. J'espère que c'est bien mon wagon. Vous voyez, votre billet, monsieur. C'est le wagon supplémentaire, monsieur. Ah, je vois. Le porteur se chargera de vos bagages. Je l'apporterai moi-même, si vous le permettez. En voiture, monsieur. 7h30, hein? L'heure, c'est l'heure dans notre métier. Vous guettez quelqu'un, monsieur? Holmes! Watson! J'arrive, Holmes! J'arrive! Non, je veux mal parler.
Quelle butte! Merci, Holmes. Oh, sans vous, je n'y serais pas arrivé. Entre nous, Watson, vous êtes trop gros pour ce genre d'exercice. Alors, j'ai le poids idéal pour mon âge. J'ai rencontré un vieil ami, Duncan Blick, du 12e régiment de lanciers. Major Duncan Blick, monsieur Charles. Enchanté, monsieur. Oh, très heureux, j'ai souvent entendu parler de vous. Les Indes? À la retraite, depuis 15 ans. Nous évoquions justement nos souvenirs des Indes. Le temps a passé si vite, et il fait nuit si tard que nous avons failli manquer le temps. Ça, je m'en suis aperçu. Ici, monsieur. Merci. Docteur, que diriez-vous d'un verre de whisky avec une goutte de soda avant le dîner? Excellente idée. Alors, qu'est-ce qui se passe, Holmes? Avez-vous déjà entendu parler du célèbre diamant, l'étoile de Rhodésie? J'ai lu la semaine dernière que Lady Margaret se promenait à Londres avec son bouchon de carafe. Oui, c'est exact. Eh bien, elle est dans ce train et c'est pourquoi nous y sommes aussi. Afin que ce bouchon, comme vous dites, retourne sagement dans son coffre à Édimbourg. Oh, à mon avis, pardonnez-moi, à mon avis, c'est une mission de tourpeau. Là, votre erreur, mon vieux. Une tentative de vol effectuée à Londres n'a pas réussi. Une seconde tentative, selon toute probabilité, sera faite dans ce train. Ah, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Voyons, il est presque certain que les responsables de la première tentative manquée seront prêts à tout pour que la deuxième soit couronnée de succès. Vous ne croyez pas? Vu que Lestrade est absent, ils échoueront. Lestrade? Il est dans ce train. C'est vrai? Oui. Jouant le rôle du parfait pêcheur à la ligne. Nous y sommes. Pardon, messieurs. Ah, entrez donc, monsieur Holmes. Mon ami et associé, le docteur Watson. Enchanté de vous connaître. J'ai cru bon d'engager M. Holmes après ce qui s'est passé à Londres. Je ne doute pas de vos capacités, mais quel besoin d'un agent de police. Agent de police? Depuis quand êtes-vous en possession de l'étoile de Rhodésie, Lady Margaret? Ça fait 25 ans. Ça vous semblera peut-être curieux, mais je ne l'ai encore jamais vue. Étant payé pour la garder, vous avez bien le droit de la voir. Mais oui. Oui. Puis-je? Oh, mais sûrement. Merci. Eh ben, dites donc, c'est une pierre parfaite. Mon époux me l'offrit pour notre 5e anniversaire de mariage. 423 carats, je crois. À l'origine, le diamant faisait plus de 700 carats. Vraiment? Ton père l'a fait tailler. Il est plus discret. Discret? Une poule serait fière d'avoir pendu. Watson, voyons. Pardon. Merci, Lady Margaret. Nous vous encombrerons le moins possible. Cela me surprendrait beaucoup de la part d'agents de police. Maintenant, si vous voulez nous indiquer où est notre compartiment. Mais oui, voici vos billets, monsieur Holmes. Merci. Lady Margaret. Bonne nuit. Bonne nuit, messieurs. Quelle impertinence! Nous traiter d'agents de police? Qu'y a-t-il de mal à être agent de police? Ah, bonsoir, Lestrade. Alors, on voyage? L'inspecteur va en Écosse pêcher le saumon. Curieux. La saison ne commence que dans un mois. Mais on doit ignorer ça, Scotland Yard. Qui a dit que j'allais pêcher le saumon? Qui? Lui. Ah. Excusez-moi, messieurs. La police. La police? Ici? Dans le train? Scotland Yard, j'ai tout entendu. Je t'avais prévenu. Vous êtes monsieur Holmes? Oui. Par ici, monsieur. Enfin, vous voilà. Je vous conseille le curé, il est excellent. Gigot haricot blanc, s'il vous plaît. Un bon conseil, laissez tomber, monsieur Holmes. Le curry du Bengale ne saurait se comparer avec celui de Madras. Bien sûr, c'est la qualité du mouton qui les différencie. La qualité du mouton? Mais non, la viande ne compte pas. Ce sont les épices qui font toute la différence. Vous êtes d'accord avec moi, Holmes? Quoi? Nous étions en train de discuter de curry. Oui. Ah oui, le curry, horrible chose. Vous trouvez? Savoir bien manger n'est pas donné à tout le monde. Dîner pour deux garçons, je vous prie. Mon fils viendra me rejoindre tout à l'heure.
Mais mon cher ami, je vous assure que Maître du Rio Gras ne peut vous donner un bon curry. Oh, bien au contraire. Réglez ceci pour moi, voulez-vous, Watson? Entendu, ne vous inquiétez pas. Celui qui sort est là à deux. Le jeune Carstairs est-il au wagon restaurant avec vous? Non, Lady Margaret est venue seule. J'étais dans mon compartiment en train de manger un morceau et j'ai entendu le bruit d'une chute. D'une chute? Fermée à clé. J'ai frappé, personne n'a répondu. Et vous êtes resté là, planté comme un piquet? Bravo, contrôleur. Voudriez-vous ouvrir cette porte, je vous prie? Je m'excuse, monsieur. C'est monsieur l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. C'est d'accord, vous pouvez l'ouvrir. Très bien, monsieur. Mon Dieu. Mort. Assassiné. C'est rapide comme déduction même pour vous. Est-ce le... Oui. L'étoile de Rhodésie était dans cette boîte il y a moins d'une heure. Comment le savez-vous? Je l'ai vu. Elle ne peut pas être ailleurs qu'ici. Non, inutile de la chercher, Lestrade. C'est l'assassin qui l'a. Ah, vous voilà, Holmes. Aimeriez-vous vous joindre à examiner ce cadavre? Pardon. Carstairs. Qui vous dit que c'est un meurtre, monsieur Holmes? Meurtre? Mais c'est lui. Qui êtes-vous? Major Duncan Blake, ami du docteur Watson. Ah, viens, viens, mec. Mais pourquoi êtes-vous sûr que c'est un meurtre, monsieur Holmes? La porte était fermée. Chaque contrôleur a une clé. Avez-vous ouvert cette porte au cours de la dernière heure? Non, monsieur. Cette clé est toujours restée en votre possession? Oui, monsieur. Elle est attachée à une chaîne. Il a dû mourir d'une embolie. Aucune trace de violence sur le corps? Je n'en ai vu aucune. Tout le monde peut se tromper, monsieur Holmes. En effet, c'est possible. Mais s'il s'agit d'une mort naturelle, elle s'est produite juste quand il le fallait, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? L'étoile de Rhodésie. Disparue! Vous étiez supposé veiller sur elle. Mon fils vous avait engagé pour ça. C'est pourquoi je lui avais confié. Où est-il? Je m'excuse, Lady Margaret. Nous n'aurions jamais dû vous laisser arriver ici. Avez-vous un compartiment vide? Oui, oui, alors il vaudrait mieux. Je vous en prie, Lady Margaret, venez. La mère de ce malheureux, je présume. Oui. Bon, sortons pour essayer d'y voir clair. Oh, excusez-moi, docteur. Pauvre garçon, elle était si jeune, c'est terrible. J'ai envoyé chercher le chef de train Lestrade et j'ai demandé que personne ne soit autorisé à quitter ce wagon. Ah, parfait, monsieur Holmes. Passons le mot qu'on part. Merci. Contrôleur. Monsieur. Fermez cette porte et ne laissez entrer personne sans ma permission, compris? Oui, monsieur. Très bien. Je m'excuse, mais vous n'êtes pas de la police. Oh, je comprends. On s'y reverra plus tard. Oui, c'est ça. Vous cherchez l'inspecteur de Scotland Yard, sans doute. Oui, où est-il? Il est là, à côté. Merci. Entrez. Je m'excuse, personne ne doit sortir de ce wagon. On ne peut pas sortir? Quel est l'imbécile qui a donné cet ordre? Scotland Yard. Scott... Vous dites qu'on ne s'arrête pas avant d'arriver à Rugby? Oui, monsieur. Bon, ça nous laissera tout le temps de fouiller le train. Trouvez le meurtrier, inspecteur, et vous trouverez le diamant. Mais nous ignorons s'il y a eu meurtre. Considérez les faits, Lestrade. Carstairs était mort quand le bijou était volé. Autrement, il y aurait eu sûrement lutte, et son corps ne porte aucune trace de violence. Si sa mort est au contraire naturelle, cela implique que le voleur s'est trouvé là comme par hasard au beau moment. Ce serait vraiment trop beau. Non. Non, Lestrade, dans cette affaire, rien n'est dû au hasard. C'est pourquoi je dis trouvez le meurtrier, vous trouverez le diamant. Le voleur a pu très bien sortir du wagon avant qu'on découvre le corps. Le contrôleur est resté tout le temps dans le couloir. Et il est certain que personne n'est allé au wagon restaurant. La porte de l'autre côté conduit au fourgon à bagages. Et elle est fermée à clé. Il n'y avait vraiment aucune trace sur le corps, Watson? Non, aucune ayant de l'importance.
Pas même une égratignure? Oh, il y avait bien une petite goutte de sang derrière le couvre, presque invisible. Et c'était ça que je voulais revenir. Ce n'est pas cette égratignure qui a causé la mort. Non, mais peut-être le poison inoculé par cette blessure. Poison? On ne saura cela qu'après une autopsie. Avez-vous une liste des voyageurs de cette voiture? Et oui, monsieur. La voici, monsieur. Merci. Major Duncan Blick, soit être votre ami, docteur. Le compartiment suivant est vide? Occupé par Lady Margaret depuis le meurtre. Ne l'oubliez pas, Lestrade. Continuez. Vivian Vedder, inspecteur... c'est celui-ci. Lady Margaret Carstairs, l'honorable Ronald Carstairs, professeur William Kilbane, monsieur et madame Alfred Chalcross, monsieur Holmes et docteur Watson, ça doit être vous deux. Il va falloir que j'interroge tout ce monde-là. Vivian Vedder, je vais commencer par celle-là. Vedder, compartiment C. Nous y voilà. Il est vide. Dites, Holmes, allez-vous laisser Lestrade s'occuper tout seul de cette affaire? Après tout, il représente la police officielle, cher ami. Quand tu leur as posé ces questions idiotes et cherché le diamant sous toutes les banquettes, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés qu'avant. Je n'aurais pas de peine à faire mieux. Pourquoi alors ne pas essayer? Oui, je vais le faire. Vous pouvez être sûr que je m'en tiendrai mieux que Lestrade. Je m'y mets tout de suite. Non, c'est celui dont on vient de sortir. Fermé. Là, c'est... Ah oui, là, c'est le cadavre. Et... Commençons par celui-ci. Oui? Mon nom est Watson. Docteur Watson. Ah? J'aimerais connaître la raison de cette intrusion. Je crains d'avoir vous posé une ou deux questions. Que faites-vous dans ce train? Où allez-vous? Où voyez de gens? Pourquoi? Simple routine. Et un meurtre a été commis. Scotland Yard, oui, enfin, Sherlock Holmes et moi, vous et monsieur Sherlock Holmes, nous interrogeons les suspects. Suspects? Et de quoi suis-je soupçonné? Le jeune garçon est mort assassiné, alors. Voyons, mettons les choses au point. Vous dites qu'un meurtre a été commis dans ce train. Oui, dans le compartiment à côté. Et parce qu'un monsieur qui m'est totalement inconnu s'est fait tuer, vous voulez m'interroger, moi? Nous devons interroger tout le monde. Vous appartenez à la police? Non. Alors, monsieur, de quel droit êtes-vous entré dans mon compartiment? Vous, que faites-vous dans ce train? Où allez-vous? Je ne vais nulle part, Holmes et moi, nous sommes dans ce train. Ah, je sais, c'est un diamant, une perle ou un bijou d'une valeur fabuleuse. Ce monsieur Holmes est toujours à la recherche de bijoux volés ou de mystérieuses femelles. Cette intrusion. Je m'excuse, Miss Vedder, mais nous avons été forcés de fouiller votre compartiment. Ah oui. Et puis-je savoir ce que vous pensiez y trouver? Un bijou de grande valeur a été volé. Et en plus, un homme assassiné. Nous sommes donc obligés de fouiller tout le wagon et de poser quelques questions. Allez-y, je vous écoute. Monsieur Holmes, je vous adresse mes plus sincères condoléances. Votre mère. Oui. Mieux vaudrait remettre l'interrogatoire à plus tard, je crois. Hein? Excusez-nous, mademoiselle. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Holmes? Simple question de tact, Lestrade. Cette jeune femme ramène sa mère en Écosse pour l'enterrer. Dans un cercueil? Oui, c'est généralement la méthode employée. Si nous avions jeté un coup d'œil sur ce cercueil, ça peut s'avérer intéressant. Mais justement, j'allais vous suggérer la même chose, monsieur Holmes. Nous allons examiner le fourgon à bagages. Par ici, monsieur. Ah, mais je suis le docteur Watson, le docteur John Henry Watson, 221 bis Baker Street, à la frette. Mon ami Sherlock Holmes se portera garant pour moi. Votre alibi ne vaut rien du tout. Vous venez de me dire que ce Holmes est votre compère. Naturellement, il mentira. Retirez ça, monsieur. Sherlock Holmes, c'est l'intégrité personnifiée. Peut-être même est-il complice, hein? Si j'étais policier, je vous arrêterais immédiatement. Non, mais ce n'est pas moi, mais enfin, je jure que ce n'est pas moi, je peux le prouver. Vous voulez quoi? Ah, enfin, vous voilà, Holmes. Maintenant, fichez le camp, rejoindre votre acolyte.
Avez-vous découvert quelque chose, Watson? Oui. Il ne m'inspire aucune confiance. Il a tout fait pour me dérouter. D'après ce que j'ai entendu, il semblait avoir réussi. Ah, voyons. Vous n'avez pas laissé un vieux bonhomme comme ça vous décourager. Essayez donc celui-là. Vous croyez vraiment que je dois? Oui, bien sûr. Ah, bon. Est-ce que je peux entrer? Vous pouvez. Merci. Je m'excuse de vous déranger, mais je représente la police. Je le savais. Alfred, je te l'avais dit. Vous lui aviez dit quoi? J'attends. Ne l'ennuyez pas, inspecteur. J'avoue. Vous avouez? C'est vous qui l'avez volé? Vous l'avez là-dedans? Oui. Non, 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 laissez-le où il est. Je vais chercher l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Et surtout, n'essayez pas de vous enfuir. Oh non, inspecteur. Cette porte reste fermée pendant tout le voyage? Oui, seul le gardien et moi en avons la clé. Mm-hmm. Je les ai, Holmes. Qui? Les voleurs. Les voleurs? Où ça? Allons, allons, oui, parlez. Le couple de vieux mariés à monsieur côté. Monsieur et madame Salcran? Oui, ils ont avoué. Avoué quoi? Je viens d'obliger. Je leur ai fait subir le troisième degré. Et vous les avez laissés tout seuls? Je leur ai dit de ne pas bouger. Alors je pense qu'une entrevue s'impose. Oh, oh, oh. Ah, c'est encore vous. Si ça peut vous intéresser, monsieur, je viens d'arrêter les voleurs, oui. Excusez-moi, madame. Vous êtes la police, je le sais. Mm-hmm. Je l'avais averti pourtant, mais non, il a fallu qu'il le fasse. Je vous préviens que ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Ce qu'ils diront? Ils ont déjà absolument tout dit. Croyez-vous? Oui, ils l'ont dans cette valise. Je suis prêt à payer le double de sa valeur s'ils arrêtent les poursuites. C'est mon premier délit. Vous dites tout ça, je connais la musique. Et maintenant, restituez, faites vite. Je l'ai volé. Je l'ai prise dans un hôtel à Londres. Alors, dépêchez-vous. Comprenez-moi. Je suis collectionneur de théières. De théières? Docteur Watson, est-ce que ça a l'air d'un diamant? Pas exactement, je dois vous l'accorder. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un... Quand je suis venu ici tout à l'heure, ils ont dit qu'ils l'avaient pris. Faites-moi le plaisir de ne plus vous mêler des affaires de la police. Il n'a pas tout à fait perdu son temps. Il nous a déjà fait retrouver une théière. Merci, Holmes. Une théière? Vous faites de votre mieux et que récoltez-vous? Humiliation et insulte, et en plus venant de l'estrade, dont j'ai bien envie de laisser se débrouiller tout seul. Il me paraît rationnel de laisser la police faire son travail. Vous mêlez-vous de vos affaires. Ah, je vous retrouve enfin. Venez boire un verre dans mon compartiment. Avec grand plaisir. Ils verront ce qu'ils perdront si je n'ai plus les idées claires. N'oubliez pas que vous serez remis entre les mains de la police dès notre arrivée à Edimbourg. Docteur Watson, c'est hier. Je vous demande pardon, professeur Kilben. Vous occupez le compartiment juste à côté. Mais c'est exact. Je crois que nous venions à vous poser quelques questions. Ne me dites surtout pas que ça va recommencer. Vous permettez? Non, je ne permets pas. C'est pareil. Allez, entrez. Esprit très brillant, mais il y a des moments où votre connaissance de la médecine lui ouvre la voie. Exactement. Prenez le décès du jeune Carster, par exemple. J'ai tout de suite su qu'il s'agissait de poison. Vous l'avez examiné, bien entendu. J'ai bien vu la piqûre épidermique. Un de ces poisons peu connus, d'Amérique du Sud, probablement. Ou des Indes. Oui, ou des Indes. J'ai habité les Indes. Et vous aussi? Oui, oui. Oui, bien sûr. À votre santé. Nous avons habité les Indes, oui. Je n'aime pas votre attitude, professeur Kilben. Je trouve inconvenant. Peut-être bien. Mais je suis dans ce train pour des raisons légitimes. Et je n'ai ni le temps, ni le désir de vous aider dans vos bêtises. C'est votre droit le plus strict, monsieur. Je suis sûr que l'inspecteur Lestrade comprendra cela. Je l'espère aussi. Si vous n'y voyez pas d'objection, j'ai un travail à faire qui exige une totale concentration. Les mathématiques? Oui. Est-il très intéressant? Oui, à condition d'être seul. Cherchez quelque chose, lady Margaret? Oh. Je venais chercher ma valise. La porte est fermée. C'est naturel. Permettez-moi de vous ouvrir.
Merci. Monsieur Holmes, il faut que je vous parle du diamant. Ne vous inquiétez pas pour lui, Lady Margaret. Plus de 500 millions et je ne dois pas m'inquiéter. Mon fils l'a appointé pour le garder. Et on lui a volé sous le nez. C'est inouï. Je vous avertis. Je vais remettre l'affaire entre les mains de vos supérieurs. Je suis détective privé, Lady Margaret. Bon. Je vous livrerai tous deux à Scotland Yard. Mais c'est moi, Scotland Yard. Lady Carstairs est entrée au wagon-restaurant seule. Nous y étions déjà tous les deux. Holmes est venu plus tard. Il vous avait dit que l'inspecteur Lestrade est demeuré dans son compartiment, avec les rideaux ouverts. Donc, si quelqu'un était entré ou sorti, il l'aurait vu. Intéressant ce que vous dites là. Bon, examinons ça objectivement. Lady Carstairs semblait plus chagrinée, était plus chagrinée de la perte du diamant que de la mort de son fils. Et oui, vous avez raison, ça se voyait bien. Entrez. Ah, vous êtes là, Watson. Asseyez-vous. Un verre? Non, merci. Ça ne vous gêne pas que je... Pas du tout. Je viens de repenser à cette affaire, Holmes. Enfin, c'est-à-dire Duncan Brick et moi. Oui, je vois. Oui, eh bien, nous avons noté que la vieille chouette était la seule à n'avoir pas d'alibi. Oui, nous pensons que vous considérez l'affaire sous le mauvais angle. Oui, Watson. Et quelle est votre théorie? L'assurance. Des tas de gens assurent leurs bijoux et tentent de gagner de l'argent dessus. Très intéressante suggestion. Je pense que vous devriez lui demander à combien s'élève son assurance sur l'étoile de Rhodésie. Pas question. J'ai déjà été deux fois échaudé. Pourquoi ne lui demandez-vous pas? Pour la simple raison que je le sais déjà. Vous êtes très nerveux. Alors, pourquoi me le demander? Pour vous moquer de moi? Monsieur et Madame Chalcross, des théières, on peut éliminer ces deux-là. Professeur William Kilbane, j'ai envoyé un télégramme à Édimbourg pour qu'on me donne des renseignements sur ce professeur. Intéressant. Quoi encore? Oh, juste une coïncidence. Quelle coïncidence? Le fait que ce Kilbane soit justement professeur de mathématiques. Expliquez-vous, monsieur Holmes. Lestrade, avez-vous entendu parler du colonel Sébastien Moran? Bien entendu, mais pourquoi cette question? Ainsi que vous le savez, le colonel Sébastien Moran était le plus sinistre, le plus intelligent et diabolique des hommes de main de notre défunt mais non regretté ami, le professeur Moriarty. Jamais je ne l'ai vu, mais j'ai malheureusement été conscient de sa présence plus d'une fois. Ce monstre, en effet, a été directement responsable d'accidents qui ont failli causer ma mort prématurée en trois regrettables occasions. C'est passionnant, M. Holmes, mais quel rapport avec notre affaire? Peut-être bien aucun. Cependant, sa spécialité était les vols spectaculaires de bijoux. Et pour se détendre, il s'adonnait à l'étude des mathématiques. Mais allez-vous prétendre que ce professeur Kilbane est le colonel Sébastien Moran, qu'il a tué le jeune Carster et volé le diamant? Et que faites-vous de cette femme, cette Viviane Weber? La considérez-vous au-dessus de tout soupçon? Et Lady Margaret? Elle avait peut-être bien un motif pour souhaiter le vol de l'étoile de Rhodésie. Elle n'a guère paru affectée par la mort de son fils. Et cet ami du docteur Watson, ce major Duncan Blick, il n'y a aucune raison valable pour ne pas le soupçonner. Non. D'après ce que nous connaissons, seules quatre personnes savaient que l'étoile de Rhodésie était dans ce train. Vous et le docteur Watson, la victime, enfin, le décédé, moi-même. Et Lady Margaret. Et Lady Margaret. Je vais retourner parler à cette dame. Lady Margaret, vous permettez que j'entre? Ah, vous êtes là, Holmes. Laissez la porte ouverte. Sacré vénard. Qui est un sacré vénard? Duncan Blick. Je viens de jouer aux cartes avec lui. Il avait une chance infernale, il m'a totalement ratissé. Et vous êtes tout le temps resté avec lui? Oui. Il a tenu à m'apprendre un nouveau jeu assez bizarre, le gin rami, qu'il l'appelle.
Américain, je présume. Très compliqué, avec des tas de calculs à faire. Vous en avez entendu parler? Ah, ça, alors. À la recherche du meurtrier, inspecteur. J'ai des coups de pied qui se perdent. Il n'est pas là. Qu'est-il passé? Ah, vous voilà, ça fait une heure que je vous cherche. Alors, où étiez-vous? Holmes, qu'avez-vous? J'admirais le paysage qu'on voit par la porte à l'autre bout du couloir. Je viens d'y passer, je ne vous ai pas vu, la porte était fermée. Naturellement. J'étais à l'extérieur. À l'extérieur? Oui. J'aime voir les choses de plus près. Je retourne examiner le cercueil. Rappelez-vous, j'ai été dérangé la dernière fois. Ah, pardon. Je suis Sherlock Holmes. J'aimerais examiner le cercueil transporté en Écosse. Nul n'a le droit d'entrer ici, monsieur Holmes. J'en prends la responsabilité. Avez-vous remarqué, Watson, que ce cercueil sort de l'ordinaire? Oh, il est peut-être un peu trop élégant. Non, je ne faisais pas allusion à la décoration. Vous permettez de nous l'ouvrir? C'est absolument interdit. Tant pis, allez-y, Watson. Mais vous n'avez pas le droit. Nous y sommes forcés. Écartez-vous. C'est une naine? C'est ce que je pensais. Peu profond, le corps ne va pas plus bas qu'ici. Vous croyez alors qu'il y a un compartiment secret en dessous? Certainement. Vide. Oui, mais occupé tout récemment. Demandez à Lestrade de venir. Il est avec Lady Margaret. Tout de suite, Holmes. En dehors de nous, quelqu'un est entré ici? Non, monsieur. Des mathématiques? Et ça me fait passer le temps. Et alors? Venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cercueil.
Holmes a découvert un double fond assez grand pour que le meurtrier ait pu s'y cacher. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur Holmes? Voilà où votre meurtrier s'est dissimulé. Eh bien, il ne reste plus qu'à le découvrir, voilà tout, monsieur Holmes. Pas le, mais les. Hein? Cette affaire est apparemment l'œuvre de deux personnes, une qui l'a montée et une autre qui était dans le cercueil et qui, au moment prévu, en est sortie pour commettre le meurtre et le vol. Où voulez-vous en venir exactement? Le colonel Sébastien Morane. Vous êtes obsédé par lui, monsieur Holmes. Mon cher Lestrade, j'ai accepté cette mission parce que j'étais presque sûr qu'il ne résisterait pas à la tentation de s'emparer d'un aussi gros morceau que l'étoile de Rhodésie. Je suis convaincu que c'est lui qui a mis sur pied toute l'affaire et qu'il est dans ce train. Oh. Et comment pensez-vous découvrir lequel de nos voyageurs est ce colonel Sébastien Morin? S'il est un des voyageurs. Vous devriez retourner interroger Miss Vedder. Ça pourrait être intéressant. Hein? Miss Vedder, je voudrais vous poser quelques questions et je dois vous prévenir que tout ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous. Parlons d'abord de votre mère. Qui n'est pas votre mère, n'est-ce pas? J'aimerais que vous vous expliquiez. Ce cercueil, nous l'avons examiné. Et trouvé le second compartiment. Eh bien, alors parlez, avouez. Avouez quoi? La vérité. Si vous insistez. Mon homme est venu me demander d'emmener un cercueil en Écosse. Et il m'a offert son livre pour ça. Vous saviez que le cercueil avait un second compartiment? Je le savais. Quelle histoire cette personne vous a-t-elle racontée pour expliquer qu'un homme se cachera dans le cercueil? Que l'homme devait quitter Londres et que des agents secrets surveillaient le train. Des agents secrets? Très bien. Admettons que je n'ai pas cru à son histoire d'agent secret. Vous réalisez, bien entendu, que cela fait de vous leur complice. Quel est le nom de l'homme qui est venu vous trouver? Je ne me le rappelle pas. Miss Vedder, cet homme qui vous a engagé, ne serait-ce pas, par hasard, ce monsieur? Écoutez, mon vieux, là, vous allez un peu loin. Mon cher Watson, que savez-vous exactement du major Duncan Blick? Je le connais depuis des années. Il est membre de mon club. Et dites-moi, est-ce que c'est une farce? Est-ce que le nom du colonel Morane signifie quelque chose pour vous? Colonel Morane? Oui, colonel Sébastien Morane. Eh bien, à vrai dire, non. Vous n'allez pas croire que je suis... Non. Bien sûr que non, vous avez le parfait alibi, le docteur Watson. Ben oui, oui, voyons, bien entendu. Écoutez, si vous le désirez, messieurs, vous pouvez fouiller mon compartiment ainsi que moi, et si vous trouvez le diamant... Non, ce ne sera pas nécessaire. L'étoile de Rhodésie n'a pas été volée. Vous dites, monsieur Holmes? Une imitation a été volée. J'ai l'original. Vous l'avez? Mon cher Lestrade, vous ne pensez pas que j'aurais laissé Lady Margaret garder le vrai diamant quand j'étais à peu près certain qu'on ferait l'impossible pour le voler? Je l'ai eu en ma possession très peu de temps après être monté dans le train. C'est trop fort, monsieur Holmes. Vous n'aviez pas le droit. Il appartient à la police. Remettez-le-moi tout de suite. Mon travail était d'empêcher qu'il soit volé. Il ne l'a pas été. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ce que je sais, c'est que je n'ai jamais vu ce monsieur de toute ma vie. Je vous prierai de demeurer dans votre compartiment jusqu'à Édimbourg. Inspecteur Lestrade. Hein? Ah. Un télégramme pour vous. Merci. Je suis désolé, mon vieux. Je crains que mon ami ne vous doive des excuses. Oh, je n'ai rien, Watson. Dans ce genre d'affaires, il est naturel que tout le monde soit soupçonné. Oui, on commet tous des erreurs. Même Holmes n'est pas infaillible. Et après tout, l'assassin court toujours, hein? Oui, c'est vrai, au fait. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit, vous inquiétez pas. Je dois retourner dire deux mots au professeur de calcul. Du nouveau, Lestrade? Vous avez vos secrets, monsieur Holmes, et j'ai les miens. C'est l'inspecteur Lestrade. Dites donc, est-ce que ça va continuer toute la nuit? Professeur Kilbane, vous avez prétendu appartenir à l'université de Dublin. Je n'ai jamais dit ça. Vous l'avez dit, je l'ai entendu, et M. Holmes l'a entendu. Oh. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais professeur de mathématiques et que je rentrais voir ma femme à Édimbourg. Oui, eh bien, je pense que j'aurai à vous revoir plus tard. Revenez frapper à cette porte à nouveau et j'aurai recours à la police. Mais c'est moi, la police. Si vous êtes policier, cessez d'entrer et de sortir de chez moi comme une femme de chambre. Mais... Il fait le mort. Il veut pas ouvrir, probablement.
ceci fera l'affaire. Fermez la porte. Grand Dieu, le surveillant. Le meurtrier a frappé à nouveau. Piqûre hypodermique. Regardez encore une fois. Une égratignure, rien qu'une égratignure, comme sur Ronald Casters. Un petit dard, apparemment fait d'une substance soluble. Une préparation gélatineuse, probablement, qui fond dans la blessure. C'est pourquoi vous n'avez rien vu sur Casters. Le meurtrier s'apprêtait à se débarrasser du corps quand il a entendu frapper et il a pris peur. Donnez-moi ça, voulez-vous? Ferme cette porte. Est-ce qu'on t'a vu venir ici? Non. Sherlock Holmes et le gros type seront dans le fourgon à bagages. Oui, mais le contrôleur dans le couloir. Il m'a pas vu. Rien à craindre de lui pour l'instant. Celui du fourgon m'a vu, lui. Il ne parlera plus. Tenez, vaut mieux que vous gardiez ça. Ce n'est pas l'étoile de Rhodésie. Je n'avais pas l'intention de vous rouler par hasard. Sherlock Holmes a le diamant et a mis à sa place cette imitation. Et maintenant, c'est cet inspecteur qui a l'étoile de Rhodésie. Était-il avec Holmes et Watson dans le fourgon? Non. Alors, il est probablement dans son compartiment. Mais nous devons faire vite. Ah, j'aime pas ça. Oh, moi non plus. Tout ce que tu auras à faire, c'est de lui reprendre le diamant. Et c'est qu'un inspecteur de Scotland Yard. C'est du boulot dangereux. Oui, mais ça te rapportera plus, bien entendu. L'argent, tu aimes ça, n'est-ce pas? Alors, viens. Il est là. Tiens-toi de ça. Non, non, je dirais pas. Non. Ah.
Hein? Le contrôleur placé en surveillance n'est plus là. Oui, c'est ce que je vois. C'est étrange. Qu'y a-t-il? Lestrade. Oui. Aidez-moi à le mettre sur la banquette. Oui. Il revient à lui. Passez-moi un peu d'eau, allez. Oh, il n'a rien de grave. Je regarderai ça un peu mieux tout à l'heure. Empoisonné comme les autres. Il a disparu. Le diamant a disparu. Disparu? Oui. On ferait bien de le fouiller tout de suite. C'est inutile, cher ami. L'homme qui l'a tué possède l'étoile de Rhodésie. Qu'est-ce que c'est? C'est un pistolet à air comprimé, Lestrade, et qui tire des dards empoisonnés. On vous a attaqué parce que vous aviez le diamant. Par chance, ils ne se sont pas servis de ça contre vous. Tiens, on dirait que le train s'arrête. La police écossaise. Ah. Je me sens pas d'aplomb, monsieur Holmes. Voudriez-vous me remplacer auprès d'eux? Certainement. Merci beaucoup. Restez là, bien tranquille. Je reviens dans une minute. Allô. Monsieur Holmes, voici l'inspecteur MacDonald de la police d'Édimbourg. Enchanté, inspecteur. Je me trouvais dans ce district pour une autre affaire et j'ai reçu ce télégramme du quartier général. Voulez-vous parler à l'inspecteur Lestrade? Si c'est nécessaire, mais c'est moi qui commande ici. Vous êtes en Écosse, vous avez franchi la frontière. Nous avons eu pas mal d'ennuis, inspecteur. Et c'est pourquoi je suis ici. Et qui êtes-vous, puis-je savoir? Mais c'est monsieur Sherlock Holmes. Ah, qui mène des enquêtes privées, hein? Celle-ci doit vous dépasser. Le dépasser? Mais monsieur Holmes a pratiquement résolu toute l'affaire. Watson. Faites évacuer le wagon-restaurant. J'ai l'intention de m'y installer. Oui, monsieur. Et veillez à ce que personne ne quitte ce compartiment avant d'être demandé pour interrogatoire. Oui, monsieur. L'inspecteur Lestrade aimerait que je vous assiste. C'est un peu irrégulier, mais... Scotland Yard a une grande estime pour monsieur Sherlock Holmes. Il lui demande souvent son avis. Scotland Yard? Où est donc cet inspecteur Lestrade? Watson, allez voir si l'inspecteur est suffisamment remis pour venir au wagon-restaurant. Tout de suite. Miss Weber, je sais le rôle que vous avez joué. Un peu de prison vous fera du bien. Tout ce que j'ai fait, c'est acheter un cercueil et l'amener dans ce train. À mon avis, ceci est l'affaire de Scotland Yard. La juridiction de Scotland Yard a pris fin à la frontière, inspecteur. C'est ce que vous dites. Et c'est ce que je pense. Miss Weber est indiscutablement complice. Elle peut ne pas connaître le colonel Moral, cependant. Je ne le connais pas. Le colonel Sébastien Moran? Il est mêlé à ceci? Vous le connaissez? Malheureusement, oui. Vous pouvez retourner dans votre compartiment. Vous avez dit malheureusement? Oui. J'ai rencontré une fois le colonel Moran. La seule fois de toute ma carrière où j'ai trouvé mon maître. C'est le criminel le plus intelligent depuis le professeur Moriarty. Ça, d'accord là-dessus. Alors, où est ce Sébastien Moran? Oui, il voyage dans ce train sous le nom de Major Duncan Blick. Alors, je trouve que vous allez un peu loin. Êtes-vous sérieux, monsieur Holmes? Agent, amenez-moi ici ce Duncan Blick. Oui, monsieur. Duncan Blick. Mais nous avons joué ensemble au polo. Entrez. Duncan Blick? Oui. L'inspecteur MacDonald voudrait vous voir. Je viens. Le colonel Sébastien Moran. Ce sera un grand plaisir pour moi de rencontrer à nouveau cette canaille. Vous vouliez me voir? Oui, colonel Moran. Je vous arrête. Ainsi, vous êtes parvenu à le convaincre que j'étais l'imaginaire colonel Moran. Pas imaginaire.
Avez-vous oublié cette affaire à Inverness il y a 3 ans? Je ne suis jamais allé à Inverness de ma vie. Vous permettez que je vous fouille? Allez-y. Eh bien, pour un innocent voyageur, vous avez de curieuses choses dans vos poches. Je suis un ancien officier de l'armée des Indes. Mais vous êtes en Écosse maintenant, et il y a une loi contre le port des armes à feu. Vous êtes satisfait? Pas tout à fait, colonel. Et maintenant, je suis satisfait. Ceci règle l'affaire définitivement. Bon, nous arriverons à Tophane dans 5 minutes. Ce train ne s'arrête pas à Tophane. Vous vous trompez pour une fois, Holmes. Ce train va s'arrêter à Tophane. Vous ne faites que retarder l'inévitable, colonel Moran. Cette fois, vous êtes fait. Écartez-vous, inspecteur. Voilà, inspecteur. Vous avez votre homme. Qui a donné l'alarme? Tout va bien. Nous allons gentiment partir avec notre prisonnier. Agent, veuillez l'emmener. Ce fut ce que j'appelle une belle bagarre. Joli travail, monsieur Holmes. Ma parole, je vous ai sous-estimé. Est-ce vous qui m'avez frappé? Oh, je suis vraiment désolé. Je vous prie d'accepter mes excuses. Lestrade. Regardez sous la table, là-bas. Ce n'est pas Lestrade, nom d'un chien, c'est Duncan Blake. Non, mais le colonel Sébastien Moran, venez m'aider. C'est un véritable scandale. Où est l'inspecteur McDonald? Il vient de descendre du train. Je ne vous crois pas, ce n'est pas vrai. Mais si. C'était joliment monté, colonel Moran. Vos hommes de main déguisés en policiers montent à bord du train, vous arrêtent, font stopper le train et vous emmènent. Ça, alors c'est fantastique. Oui, très intelligent. C'était un plan bien digne du colonel Sébastien Moran. D'abord son acolyte caché dans un cercueil à double fond, et ensuite, au cas où quelque chose irait mal, les pseudo-policiers venant pour l'arrêter et l'emmener avant notre arrivée à Édimbourg. Mais alors, où est Lestrade? Eh bien, j'imagine qu'en ce moment même, il est très occupé. Une petite minute, McDonald. Alignez-vous tous devant moi, je vous arrête. Et mettez les mains en l'air. Chauffeur, conduisez-nous au commissariat. Dépêchez-vous de monter. Alors, le coup de poing sur l'œil que m'a donné Sherlock Holmes n'était donc pas un accident. La juridiction écossaise prend fin à la frontière. Montez et que ça saute. Envoyez ça aussi vite que possible, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est un télégramme à la vraie police d'Édimbourg, la priant de nous attendre à notre arrivée. Mais enfin, comment saviez-vous que ce n'était pas le vrai inspecteur McDonald? Élémentaire, mon cher Watson. Tout d'abord, il n'avait pas mis les menottes au colonel Moran. J'ai dû le faire moi-même. Et deuxième erreur, au cours de la bataille, l'inspecteur McDonald m'a plus gêné qu'aidé. Ce qui est assez inattendu de la part d'un policier. Stupéfiant, Holmes. Trouver la solution d'un complot pareil avec si peu de preuves. J'avais oublié de mentionner qu'il se trouvait que je connaissais le vrai inspecteur McDonald. Et vous avez joué ce jeu avec Lestrade? Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il a compris la situation immédiatement. Oui, plus que surprenant. J'ose espérer qu'il a continué à comprendre. Très habile, Holmes. Vous m'avez moi, mais vous n'avez pas l'étoile de Rhodésie. Là, vous vous trompez. Si dans le noir, j'ai pu substituer à vous un grand gaillard tel que Lestrade, colonel Moran, quelle difficulté pouvais-je avoir à subtiliser une chose aussi petite qu'un diamant ?